C'est jeudi, vous êtes nombreux à nous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Une nouvelle association vient de voir le jour au Burkina Faso. Les Fassoïstes est un mouvement apolitique né en avril dernier, regroupant des jeunes à la recherche de mentors afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Et puis en Israël, dans ce pays où coule normalement le lait et le miel, il a coulé aussi beaucoup d'eau. Le pays est envahi par des pluies torrentielles depuis plusieurs heures. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. L'association des Fassoïstes a tenu ce matin une assemblée générale dans le cadre de l'examination et de l'adoption de leur programme d'activité de l'année 2020, placé sous le thème « Quelle stratégie pour l'émergence du leadership et de l'entrepreneuriat des jeunes ?» Jonas Tondé, Fabienne Savadogo nous en disent plus. Une jeunesse, une vision, un engagement. C'est ainsi la devise des Fassoïstes, une association dont l'objectif se résume à la promotion du leadership et de l'entrepreneuriat en milieu jeune. Et c'est dans le cadre de l'examination et de l'adoption de son programme d'activité de l'année 2020 que l'association a tenu ce matin une assemblée générale dans le but d'identifier des actions fortes à mener pour la promotion de l'entrepreneuriat, de l'employabilité et du leadership des jeunes. Et c'est une association qui compte mener à bien leur idéologie à travers un concept qui est le mentorisme. Sinon, vous avez constaté tout à l'heure que nous avons organisé une assemblée générale du comité directeur pour valider les activités de l'année 2020. Il faut dire grosso modo qu'au cours de l'année 2020, on aura 12 activités à mener, dont les plus importantes est il y a le lancement du projet Une commune, un mentor. Il y aura également le lancement d'une carte verte au profit de la jeunesse. Il y aura également aussi la création d'un club de jeunes entrepreneurs fassoïstes pour accompagner les formations et autres au niveau des jeunes. Et également, nous allons travailler à implanter davantage la structure sur le territoire national. Pour le parrain Omar Yougou, aucun développement n'est possible sans l'accomplissement de certaines conditions primordiales. En l'occurrence, je le réaffirme, l'administration ne peut pas absorber toute la main-d'œuvre qui sort de nos universités. Et si vous revenez sur les thèmes qui font partie des objectifs des Fassoïstes, vous trouvez le développement et la promotion de l'esprit du leadership et d'entrepreneuriat. J'ai déjà développé ce thème d'entrepreneuriat, je ne reviendrai pas dessus. Il est clair que dans les années qui viennent, les 5, 10, 15, 20 années qui viennent, la jeunesse doit se prendre en charge en créant des entreprises. Il n'y a que là que nous allons avoir une partie de la solution de nos problèmes. Le deuxième point, c'est la promotion de l'autonomisation féminine. Si vous regardez aujourd'hui les statistiques, au niveau mondial, ils sont en train de promouvoir le genre, mais les Fassoïstes ont déjà réglé le problème des genres. Je pense que c'est 30%, les Fassoïstes sont pratiquement à 50%. Regardez la composition de cette salle. Ça veut bien dire que lorsque les femmes auront accès au crédit, lorsque les femmes auront accès au diplôme, c'est-à-dire en ayant une formation beaucoup plus adéquate, et sortiront du ménage dans la famille, la société ira mieux. Pour la réalisation de leur projet, une commune, un mentor, les Fassoïstes lancent un appel aux responsables politiques, aux partenaires techniques et financiers, aux opérateurs économiques, en vue de bénéficier de leur accompagnement pour accomplir ce projet. Et puis retour dans cette édition sur le réveillon de Noël, la célébrée ce 24 décembre 2019 à Zouma, à l'église des Assemblées de Dieu de Boulmougou avec Jonas Tondé, Fabienne Savadogo. <t'->
C'est au travers des prestations de différentes chorales et de l'écoute de la parole de Dieu que l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmirou célèbre en ce 24 nuits la nativité du Sauveur. Chants mélodieux et danses ont marqué les moments forts de cette célébration, témoignant ainsi la joie immense qui anime le corps de Christ quand il se rappelle et commémore une fois de plus la naissance du Sauveur. Le pasteur Elie Bamogo, à travers son message, a encore appelé aux fidèles chrétiens l'un des principes de la naissance de Jésus qui se rapporte à l'humilité, tout en indiquant que c'est à cause de son humilité et pour nous montrer l'exemple à suivre que Christ est né dans une crèche, alors qu'en étant le Fils de Dieu, il pouvait venir au monde dans de plus belles conditions. L'orateur précise que l'humilité précède la gloire et le fait même d'être dans la maison de Dieu témoigne l'humilité existant dans la vie de tout un chacun d'eux par rapport à ceux qui n'y prennent point part. Jésus a dit dans Matthieu 5:3. Si nous restons dans l'humilité, le royaume des cieux sera pour nous. Nous serons des rois au royaume des cieux. Mais c'est comme je l'avais déjà dit. Mais bien aimé. Alors c'est difficile d'être humble, c'est vrai. Si tu en as assez, l'ami, et tu sais. On te demande de faire quelque chose. C'est difficile. Mais Jésus qui veut, c'est cela. Il y a des autorités parmi l'assemblée ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans d'autres lieux où ça chauffe, où ça boit, où ça danse? Ceux qui sont là, ils ont aussi les moyens de faire comme eux. Mais à cause de l'humilité, comme ils savent ce qu'ils recherchent, voilà pourquoi ils sont venus dans la maison de Dieu. Dieu aimerait que nous soyons comme ça. Il dit que le royaume de Dieu appartient aux humbles. Le premier responsable de l'Église, à travers l'écoute de cette parole, a vivement invité tous les Burkinabés à demeurer dans l'humilité de Dieu, car c'est ainsi qu'ils remporteront la victoire. Ici à l'Église de Boulmirou Adé, nous avons écouté la parole de Dieu du pasteur Bamogo Elie, qui nous a parlé de l'humilité de Jésus. Jésus qui est Dieu, Jésus qui est homme, Jésus qui est venu pour réconcilier les hommes à Dieu. Il s'est humilié et il a pris chair, il est même né dans une bergerie, dans un lieu où on gardait des animaux, parce qu'il n'y avait pas de place dans notre lieu, comme dit la parole de Dieu. Cette condition humble, c'était pour une mission. Ce n'est pas parce que Jésus n'avait pas de moyens, parce qu'étant Dieu, étant omnipotent, il pouvait tout faire. Omniscient, il connaissait toutes choses. Mais il acceptait cela. C'est un exemple qu'il nous donne. Et le pasteur nous a invités, en tant que chrétiens, de rester dans cette condition humble. Cette condition humble aussi est un message pour nous, Burkinabés, dans notre nation. Nous vivons dans un contexte à plusieurs défis, mais nous savons que le maître du Burkina Faso, c'est Dieu. Et si nous nous humilions sous l'autorité de Dieu, il va nous élever au temps convenable. Et c'est un message fort pour toute personne, les gouvernants, les citoyens, les autorités, les militaires, les enfants, pour que l'humilité de
de Dieu touche chacun. Pour terminer, des meilleurs vœux ont été adressés à l'endroit des fidèles chrétiens et tout le peuple du Burkina Faso. Dans l'actualité hors de chez nous, le président turc Erdogan a effectué ce mercredi une visite dite surprise à Tunis où il a évoqué avec son homologue tunisien le conflit en Libye et les tensions régionales suscitées par un réconfort de la coopération entre Ankara et le gouvernement libyen d'union. La Libye a été au centre des discussions entre le président Recep Tayyip Erdogan et son homologue tunisien Kais Saïd. Le président turc souhaite renforcer la coopération entre Ankara et Tunis pour aider à mettre fin au conflit qui déchire la Libye. Dimanche, M. Erdogan a promis d'augmenter son soutien militaire au gouvernement d'Union nationale si nécessaire. Nous avons eu l'occasion de discuter des moyens de coopérer pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye dès que possible et relancer le processus politique. Le jeu vaut bien cette chandelle tant la crise libyenne n'est pas sans répercussion en Tunisie. L'impact des développements négatifs en Libye ne se limite pas à ce pays, mais touche également les pays voisins, la Tunisie en premier lieu. De son côté, Kais Saïd a souligné la complexité accrue de la crise libyenne et se félicite de l'adhésion d'Ankara à son plan pour Tripoli. Nous avons surtout parlé de l'initiative que j'ai prise il y a quelques jours sur la nécessité de réunir les Libyens autour d'une décision sur laquelle tout le monde s'entend et de les rassembler même en Tunisie dans cette situation qui devient malheureusement de plus en plus compliquée. Monsieur Erdogan a par ailleurs appelé la Tunisie, mais aussi le Qatar et l'Algérie, à participer à la conférence internationale sur la Libye que doit organiser l'ONU début 2020 à Berlin. En Arménie, des enquêteurs découvrent un réseau d'adoption illégale. Ils ne donnent aucune précision concrète, néanmoins. Une mère et son avocat affirment qu'il y a 19 ans de cela, des médecins arrachaient des bébés à leur mère pour les vendre à des parents adoptifs. C'est l'affaire qui secoue l'Arménie depuis mi-novembre. Les services de sécurité ont mis en lumière un vaste réseau d'adoption illégale, aboutissant à l'interpellation de 4 personnes, dont le directeur du centre médical arménien, la principale maternité du pays, et la directrice de l'orphelinat d'Erevan, la capitale arménienne. Selon les enquêteurs, de nombreuses jeunes femmes auraient été forcées à abandonner leur enfant après l'accouchement, des bébés ensuite placés en orphelinat, puis adoptés par des familles étrangères. Suzanne Padvakanian assure être l'une de ses mères. Il y a 20 ans, elle a accouché au centre médical arménien. J'ai donné naissance à une petite fille en bonne santé. On m'a forcée à abandonner mon enfant, m'assurant qu'elle était malade et qu'elle avait des problèmes de santé. Ils m'ont tendu une feuille et m'ont forcée à écrire que j'abandonnais mon bébé. Âgée de seulement 16 ans à l'époque, Suzanne a cédé à la pression du corps médical. 3 jours plus tard, elle dit avoir tenté de récupérer son bébé, mais n'a plus trouvé de traces de sa fille, ni à l'hôpital, ni à l'orphelinat. Depuis 2013, Suzanne se bat avec l'aide de son avocat pour retrouver son enfant. L'Arménie a une mafia puissante, capable de tout. Une mafia bien organisée qui a des liens avec les autorités, en particulier avec le bureau du procureur général. Cette mafia a transformé l'Arménie en une pouponnière géante. C'est un phénomène terrifiant. Ouverte début octobre, l'enquête sur ce vaste trafic d'enfants est toujours en cours. En attendant, les autorités arméniennes ont suspendu toutes les adoptions jusqu'à nouvel ordre. Des nouvelles du typhon Phanfon qui s'est abattu sur les Philippines dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier. Le phénomène aura fait 16 morts et des dégâts matériels très importants.
Le typhon Fanfan qui s'est abattu sur le centre des Philippines le jour de Noël a laissé dans son sillage un triste bilan d'au moins 16 morts, selon des responsables de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes. Le typhon, accompagné de violentes rafales de vent atteignant les 195 km/h, a provoqué d'importants dégâts matériels. Les toits des maisons ont été arrachés, des poteaux électriques renversés. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur maison et de passer le réveillon et le jour de Noël dans des abris. Et de nombreuses familles ont été contraintes de mettre une croix dessus en raison de l'arrêt des liaisons aériennes et par ferry. Les petites îles de Boracay et de Coron, très prisées des touristes, ont été touchées de plein fouet. Moins puissant qu'Aïan, le typhon qui avait fait plus de 7300 morts est disparu en 2013. Fanfan serait en train de s'affaiblir, en s'éloignant peu à peu du pays jeudi, selon le centre de prévision météorologique Weather Philippines. Toujours au climat dans cette édition, en Israël, de violentes intempéries ont traversé le pays. Ce sont des pluies torrentielles, des brouillards, du vent et des éclairs qui ont fait d'énormes conséquences. Au pays du lait et du miel coule aussi la pluie, beaucoup de pluie. Après un début d'hiver très doux, Israël est balayé par de violentes intempéries, avec des vents allant jusqu'à 100 km/h dans tout le pays. Mais aussi de fortes précipitations, des bourrasques, du brouillard et des éclairs. Ce jeudi matin, face aux intempéries, un cargo s'est échoué sur la plage d'Ashdod, ne pouvant lutter contre les bourrasques. Des intempéries aux nombreuses conséquences, comme à chaque épisode du genre. Inondations, coupures d'électricité, arbres et poteaux arrachés. Le tout aggravé par le fait que les infrastructures du pays ne soient pas adaptées à ce type d'intempéries. Autre dégât dû aux fortes précipitations, le radar de mesure des eaux du service météorologique israélien est tombé en panne. La réparation risque de prendre du temps, le temps d'avoir un gouvernement. Nous faisons de notre mieux pour réparer le problème actuel. Une réparation complète du radar continue d'être retardée en raison de l'absence de budget de l'État pour 2020. Au nord du pays, sur le mont Hermon, la neige continue de tomber et la station de ski devrait se recouvrir d'un manteau blanc dans les jours à venir. Néanmoins, ce jeudi, les pistes restent fermées. Le ministère de l'Environnement annonce par ailleurs un gros pic de pollution ce jeudi, une pollution qui devrait se dissiper avec la pluie dans la majorité du pays, exception faite du Negev et du désert de l'Arava. Le ministère de la Santé appelle les populations sensibles, les patients cardiaques, les personnes âgées, les enfants en bas âge et les femmes enceintes, d'éviter de faire des activités en extérieur pour le moment. Vendredi, les pluies continueront de tomber et seront accompagnées d'orages. Un rayon d'espoir tout de même, à partir de la mi-journée, les pluies vont progressivement commencer à diminuer. Et dimanche, les températures devraient revenir à la normale saisonnière. Toujours en Israël, avant de refermer cette édition, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été évacué d'un meeting à l'annonce de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Une nouvelle alerte qui survient alors que se tiennent les primaires du Likoud ce jeudi, une élection aux allures de référendum sur le premier ministre israélien. Dans la confusion la plus totale, une indication vers la sortie donnée par un agent de sécurité, puis un dernier bref signe de la main pour dire au revoir. Meeting électoral écourté pour Benjamin Netanyahou à Ashkelon dans le sud d'Israël. Dans une vidéo diffusée par une chaîne de télévision publique, le Premier ministre est évacué en plein meeting à l'annonce de tirs de roquettes imminents depuis la bande de Gaza. L'armée a par la suite indiqué que le projectile avait été intercepté par le système de défense d'hommes de fer. Le chef du Likoud avait déjà été évacué d'un meeting dans une ville du sud d'Israël en septembre, là aussi à l'annonce de tirs. Cette nouvelle alerte survient alors que se tiennent les primaires du Likoud ce jeudi. Une élection aux allures de référendum sur Benjamin Netanyahou, inculpé dans plusieurs affaires de corruption. Objectif, remporter les législatives du 2 mars prochain, les troisièmes élections en moins d'un an. Car lors des derniers scrutins, ni Benjamin Netanyahou, ni le centriste Benny Gantz n'étaient parvenus à obtenir une majorité claire.
Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis en ce lendemain de Noël. Excellente suite de programme sur Canal Bimpera. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Kaya.